là. Salut tout le monde, excusez-moi, j'arrive un petit instant. Hop. Eh, c'est quand même classe d'arriver comme ça, non? Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridemorbac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing. Alors, test oui non, je sais pas trop comment tester ce genre de produit. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un fond vert que je vais vous montrer de chez Elgato, qui est une marque qui a été rachetée par Corsair. Elgato est une marque assez connue des streamers parce qu'ils font plein de produits pour les streamers. Et ce fond vert que vous voyez là, je voulais absolument l'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai ma copine qui m'a acheté un fond vert à Noël, donc j'étais super content. Le problème c'est que il était très grand et il avait des grands pieds et c'était absolument chiant à le déplacer dans l'appart. Ça prenait énormément de place, il fallait que je bouge les pieds un par un, je pouvais pas plier la toile. C'était, enfin bref, c'était assez chiant quoi. Du coup elle m'a dit, vas-y vends-le, c'est assez pénible. Et essaye de prendre le produit que t'as vu, qui était ce produit là, qui tout simplement, comme vous pouvez le voir, peut se ranger entièrement. Je vais vous montrer ça dans la vidéo unboxing qui arrive, maintenant. Je vais pas la main à toi. Je vais te planter mon gars, je vais te planter comme ça. Ouais mais t'auras plus de cadreur. Pas grave ça. Connard. Bon et bien on va passer à l'unboxing de ce fameux fond vert de chez Elgato. Donc il est arrivé dans ce joli petit carton bien renforcé. Donc niveau transport ça a dû bien tenir le choc. Allez c'est parti. Je vais cutter ça comme je cutterais le cadreur juste ici. Cool. Et voilà la bête. Allez ça dégage. On va poser doucement en tac. On va virer tous ces trucs qui servent à protéger bien évidemment le fond vert. J'entends le truc à l'intérieur, ça me fait un peu peur. Là, hop, j'ai tout. Je ferai gaffe à pas t'asseoir là du coup. Qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, moi je me marre et alors. Ok Google, raconte-nous une blague. Une blague, c'est parti. Toto, dis-moi le futur simple du verbe bailler. Je dormirai. C'est vraiment de la merde, je fais ça. Il rigole derrière, vous voyez pas, mais il rigole. Allez, sans plus tarder, sans trêve de barbe. Enfin bref, j'en sais rien du tout. Voici donc l'engin qui va se monter comme ceci. On va sortir les deux pieds juste là. On va le poser un peu au pif. Alors ici, devant vous. On enlève les deux pieds ici. Et là, sous vos yeux ébahis, je vais disparaître. Bon. Yes, on est enfin débarrassé de lui. Ouais, mais t'inquiète, je suis là. Merde. Et au pire, juste à faire ça. Et voilà pourquoi ce fond vert est juste génial. Parce qu'on peut le mettre où on veut, on peut le monter où on veut. Il est facile à ranger, il prend pas de place quand j'ai mis. Hop, je le range, je clique tout ça et je le mets d'un côté. Et évidemment, c'est une toile. Oh, franchement, je kiffe faire ça. J'avoue, c'est stylé en vrai. Mais oui, t'as vu, voilà pourquoi j'ai pris ça. Il n'y a pas de pliure, il n'y a rien. C'est une toile tout à fait propre. Et c'est vraiment absolument génial pour se mettre. Je sais pas, je vais mettre. Tiens, qu'est-ce que tu voudrais mettre, Yann, sur ce fond vert? Dis-moi tout. N'hésite pas à t'exprimer, Yann, sur ce que tu veux mettre sur le fond vert. D'accord, je m'exprimerai plus tard. Il m'énerve. T'es un mauvais cadreur, Yann. Merci. Je suis même pas rémunéré, alors tu te calmes. C'est normal. Ah bah oui, ta chaîne est chier, personne s'est abonné. Oui, c'est vrai. Et donc voilà pourquoi j'ai pris ce fond vert. Enfin voilà, une bonne chose de faite. Et on va faire directement l'outro de cette vidéo grâce à ce fond vert. Alors, au niveau du produit, déjà, gros point positif, c'est vraiment le rangement. Grâce à ce produit-là, il prend très peu de place. Et il est très facile à ranger, à mettre d'un côté, pof, on l'oublie, et dès qu'on en a besoin, tac, on le ressort, on le déplie. Ça, c'est franchement très pratique, et comme vous pouvez le voir, on peut le mettre vraiment où on veut. Si je veux le mettre là et vous montrer la moitié de ma chambre, je peux le faire totalement. Ça, c'est franchement pas mal. Deuxième point positif, c'est que c'est une toile qui est anti-pli, et surtout, la lumière ne passe pas à travers. Sur mon ancien fond vert, le drap était plié de partout, et ça peut être pénible. Lorsqu'on enlève le fond vert, ça peut gêner pour enlever le fond vert. Et avec la lumière qui traverse,
et ça peut être chiant aussi, les différents niveaux de luminosité. Donc voilà, ça c'était pénible, là c'est pas le cas, et franchement c'est beaucoup plus pratique pour améliorer un peu l'enlèvement du fond vert. Par contre, ça va pas tout régler, parce que malheureusement, mon éclairage n'est pas terrible. Il faudrait idéalement 3 lumières, 2 qui éclairent totalement mon fond vert, et une qui m'éclaire moi, pour pouvoir bien me détacher du fond vert, et améliorer l'enlèvement du fond vert, et bien avoir un contour sans... Comme vous pouvez voir, je suis en train de faire des... Je sais pas pourquoi. Je pense que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos où j'utilise le fond vert, où il y a un contour vert autour de moi. Donc ça, c'est assez chiant à enlever. C'est pas simple. J'essaye de faire au mieux. Alors, j'ai dit pas mal de points positifs, mais il y a un petit point négatif. C'est que c'est dommage qu'il soit pas plus large. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, le fond vert est vraiment très proche de moi. Je peux pas vraiment prendre de recul. Donc c'est un peu dommage, s'il aurait été un peu plus large, ça aurait été super cool, j'aurais pu le mettre un peu plus loin et avoir un peu plus de mouvement pour me déplacer, donc c'est un peu dommage. Après, est-ce qu'on peut en cumuler deux côte à côte? Je suis pas sûr, parce qu'il y aura un décalage, c'est pas sûr que ça soit terrible, mais je pense que ça peut se faire. Après, vu le prix du produit, déjà, un, ça me suffit largement, quoi. Donc pour faire des vidéos comme ça, en face cam, moi, franchement, c'est cool, ça suffit, n'empêche, en largeur. Parce que j'arrive à remplir tout le cadre et quand même avoir je regarde parce que je suis en train de voir, mais j'arrive à avoir assez de profondeur pour faire mes vidéos, hein. Je peux m'avancer jusque là au niveau de la caméra et je peux reculer à peu près jusqu'ici, voilà, donc pas plus, parce que si je touche, je pense que vous allez voir que derrière il y a quelques petits soucis. Et ça doit être top par contre pour les streamers, moi qui stream, alors je le fais plus avec la webcam parce que tout simplement je passe par mon shadow si je stream, et comme mon débit n'est pas terrible, j'évite tout simplement de faire avec de la vidéo. En tout cas, ça peut me servir pour des vidéos, notamment pour les big tests, si je veux m'incruster pour faire des petits effets, etc. Ça peut être cool. Un produit de chez Elgato très sympathique, mais il vaut quand même assez cher, hein. Comptez 140-150€ sur Amazon. S'il pouvait être aux alentours des 100€, là ce serait vraiment tip top. Donc vous voulez pas payer ce prix là, essayez d'attendre des promotions chez Amazon, des ventes flash, je sais pas, où essayez de trouver ces produits là d'occasion. Ça se trouve pas énormément, mais on ne sait jamais. Sinon, si vous avez l'argent et que vous voulez absolument un produit comme ça, parce que niveau praticité, niveau rangement et niveau qualité de toile, c'est ce qu'il vous faut, allez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Si vous avez des questions sur celui-ci, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Plus ça va, plus on se rapproche des 1000 abonnés. Donc peut-être bientôt les 1000, attention. Oh là là, ça serait un cap. Si on dépasse les caps des 1000 abonnés, certes, pas beaucoup comparé aux gros youtubeurs. Mais moi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et la chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ouais, là, je fais le double. Ciao tout le monde. Bye bye. Ouais, non, c'est mieux, hein, non? Oh, je sais pas. Après, bon, j'avoue que, voilà, c'est pas... Ciao, il faudrait que j'améliore ça, quand même. Mais, c'est vraiment pratique.